Tu as demandé si on a une banderole là, demande. Le comédien Manganga. Jamais de main. C'est toujours là. Transmise de génération en génération pour établir un déséquilibre sur le bien-être, sur le plan du bien-être physique, mental, social et même spirituel. La médecine traditionnelle, vous le savez, a traversé plusieurs étapes, a traversé plusieurs mouvements. À nos jours, grâce, n'est-ce pas, à la cohésion et à la force des tradis praticiennes et des naturopathes, nous trouvons quand même une place au soleil où nous essayons de nous exprimer. Tout en assurant la... Monsieur le préfet du département du Vaury, Leur Majesté, les chefs traditionnels, autorités administratives et forums prérogatives, honorables invités, Monsieur, Madame et Messieurs, chers collègues, c'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole au nom des galeries praticiennes de la région du littoral à cette place mythique qu'est la salle des fêtes d'Aqua pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour. À l'occasion de cette 15e édition de la journée africaine de la médecine traditionnelle qui se célèbre le 31 août de chaque année, dans le thème de cette année, c'est l'intégration de la médecine traditionnelle dans le système de santé. Progrès à ce jour. Madame, Messieurs, chers collègues, la médecine traditionnelle qui est notre médecine, j'allais dire la première médecine, est notre patrimoine ancestral, ne saurait être négligée. Elle est notre médecine par conséquent. Nous devions l'aimer, magnifier tel que nous ait laissé nos... Merci beaucoup. Je crois que je parle suffisamment fort et que certainement je vais me faire comprendre et surtout je vais me faire écouter. Nous sommes très ravis chaque fois que nous devons être ici parce que certainement c'est notre milieu. Parce qu'au-delà de tout, avant la médecine occidentale, il y avait la médecine africaine. Et il y avait la médecine négro-africaine, que certains modernistes ont appelé médecine traditionnelle. Mais nous reconnaissons ce que vous faites, nous savons ce que vous faites, et vous faites du bien, n'est-ce pas, au Cameroun. Monsieur le préfet du Vaury, ici représenté, Madame le contrôleur numéro 3 en charge du médicament dans la région littorale, Madame la responsable du partenariat, Monsieur les chefs traditionnels, Monsieur le président de l'association des tradis praticiens en santé, c'est réellement pour nous un très grand plaisir et surtout un très grand honneur d'être ici à cette cérémonie officielle de célébration de la 15e journée africaine de la médecine traditionnelle avec les autres pays d'Afrique. Cette année, nous avons pour thème intégration de la médecine traditionnelle dans le système de santé. Progrès à ce jour. Cette journée marque ici l'expression d'un partenariat fructueux entre le ministère de la Santé publique et les tradis praticiens du Cameroun. On ne dira pas un partenariat parce que vous êtes intégrés à ce ministère. Et votre doléance d'avoir une direction au niveau du ministère de la Santé n'est pas tombée dans les oreilles de sourds. Nous allons porter cela à la très haute hiérarchie. Je profite de cette occasion solennelle
au nom de monsieur le délégué régional, qui est malheureusement attribué pour l'instant, mais qui peut arriver d'un moment à l'autre parce qu'il tient à vivre ce moment. Je tiens donc, et je profite de cette occasion solennelle, pour remercier, n'est-ce pas, le gouvernement de la République, pour remercier aussi les représentants des tradis praticiens pour leur présence marquée à la présente cérémonie et la collaboration constante qu'ils ne cessent, n'est-ce pas, d'apporter à la médecine en général et à l'évolution de la médecine en général pour la bonne santé de tous les Camerounais en général. Chères autorités, chers invités, tradis praticiens, bonsoir. C'est un plaisir pour nous d'être en ce moment dans cette célébration qui est la journée des tradis praticiens. Oui, je suis médecin de formation et de profession depuis environ 17 ans aujourd'hui. Je m'intéresse de près à la médecine traditionnelle. Vous savez bien qu'à la croisée des chemins, l'Afrique doit se réveiller, mais le patrimoine ne peut pas être négligé. Il y a juste que des problèmes qu'on peut tâter et toucher avec le doigt sont présents. C'est pourquoi nous demandons aux autorités aujourd'hui de nous... Vous laissez le premier dans la...